Passer grand champion sur Rocket League, est-ce que c'est difficile? Je suis grand champion depuis plusieurs saisons, et puisqu'une nouvelle saison démarre, tous les jours, je vous partage mes games à la recherche du GC perdu. Hier, on s'est fait smurfer le crâne, est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir grind en paix, les amis? Objectif aujourd'hui, c'est de remonter le MMR, on est toujours à plus 26, c'est quand même pas mal, deux games positives, mais on va essayer d'aller plus haut et d'aller chercher ce GC. Ok, c'est parti, Limul, ça me dit grandement quelque chose, je crois que c'est un viewer Twitch. Son pseudo me dit quelque chose. Oh, la petite démo, t'es ambitieuse là. Hein, je sais pas trop ce que je fais, on va dire que c'est pour les mules. C'est complètement foirax. Ok, cette balle elle sera pour moi. Il a raté. C'est open. Il a suivi, ça me régale. C'est excellent. Ouverture du score de l'Imule. Ok, j'ai l'impression qu'il y a quelques erreurs en face. Il y a eu deux ratés de balles un peu bizarres. On va peut-être pouvoir s'en sortir. Attends de voir ce qu'il va faire, mais on va challenge pas trop tard non plus. L'angle était fou, heureusement qu'il la sauve. Par contre, je viens de capter un truc, il s'est assis sur son clavier au moment d'écrire awesome. Petite... Je sais pas si c'est fait exprès. Dyslexie, là. Les lettres sont pas dans le bon ordre, mon chef. Bien joué, l'Imule, excellent. Il vient du 77, il arrive en Fennec. Il marque tous les buts. Ouh là là, le bac. Je suis là en couverture. En couverture, oui. Oui, oui, oui. Je ne pensais pas qu'il allait tirer directement, je sais pas pourquoi. Je suis un peu dans les vapes. Aujourd'hui, c'est le cerveau en petite compote. Mais c'est but. Et oui, ce n'est que des buts kick-off. Bah évidemment, parce qu'ils ne font que des stratégies kick-off, hein, j'ai envie de vous dire. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de... Il n'y a plus de 50-50 au kick-off, c'est... Ah si, là il y en a eu un. Mais c'est gagné du coup, pour moi. Oula, j'ai raté le boost. Ouais. Voilà, le petit fake challenge. Après je garde mon challenge, je prends un petit 50, c'est un peu loupé. Wouhou, petit fake, j'ai complètement fake mon mate. Désolé mon gars. Ouais. L'armée en arrière, ce grand malade, j'ai pré jump. Et oui, faut savoir... Bien cher ami... Qui est CSL ? Il m'a dit tu respectes trop les adversaires. Tu les respectes trop. Faux pré-jump. C'est vrai. Quand je suis en très bonne forme, et ben je commence à pré-jump dans tous les sens, mais je pré-jump bien. Et c'est là où j'arrive à monter dans des 1550, etc. Faut que je sois dans cet état d'euphorie. Je suis sûr que j'ai pas le reset. J'ai gêné hein, parce que le mate est un peu loin pour intervenir. Ok. Je suis sûr que c'est but. Pourquoi il me dit pas de problème? C'est... Ah, il s'est fait même. Donc je pense pas que ce soit pour moi le pas de problème. Moi, je... Rien fait spécial, quoi. On s'embrouille. Ah! Ah bah désolé. Ah, il est toxique, le type. C'est peut-être pas le viewer Twitch, du coup. Je pensais pas que c'était dedans, mais c'était crossbar rentrante. Après, le kick-off était désastre, non? Oh, je sais pas. Je me rappelle même plus comment ça s'est passé. Je vous l'ai dit. Je suis dans le flou dans cette game, je suis un peu endormi, je commence à avoir la dalle. J'ai faim. Quand on a faim, le cerveau ne fonctionne plus. Je vais cut parce qu'il vient pas. Comme l'impression que l'Imule est... Je crois que c'est le premier. C'est le premier de toute cette série à être toxique avec moi. Peut-être je me trompe, mais je n'ai pas le souvenir que quelqu'un ait été toxique dans aucun des épisodes. C'est la première fois que je me fais waouh. Voilà. C'est un peu triste, mais en vrai, qu'il y ait un seul toxique dans mes games en autant de games, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal, surtout que je suis pas que sur du full win. Bon, je suis rarement vraiment sur une disaster class. Mais quand même... j'ai pas regardé toutes mes games, donc c'est rare que les gens restent calmes. Et bien c'est le premier à être toxique avec moi. On ne le félicite pas. Ok. Jure. En plus je l'avais mon reset, tu deg. What a save. Allez on y va. Moi maintenant je fais ça, hein, je fais tout droit. On n'en peut plus. On n'en peut plus de la passivité en défense.
Je vais juste tout droit. Ça surprend tout le monde. Et je dis, mais il va quand même pas aller tout droit, ce grand malade. Si, si. Si, si, c'est exactement ce que je vous propose. Du tout droit, en bonne et due forme. Et oui, je continue à faire que du tout droit et ça fonctionne. Allez. Oh bah là, ça va être compliqué. Hein. Bah ouais. Là, c'est très compliqué. On se retrouve dans une sale situation, c'est dommage. C'est pas grave, on gagne toujours 5-4. Ok. Personnellement, ça me va. Est-ce qu'il peut suivre cette balle? Non, il pourra pas. Je vais prendre ce boost. Sans une minute, on doit juste pas prendre de but. Il devrait le faire. Ça, c'est pas mal. C'est nul ce que je viens de proposer là. Je vais bump, donc ça va cancel ma bêtise. J'ai rendu la balle, mais bon. Je l'ai forcé à la rendre encore derrière, on va dire. Dommage, bon petit fromage. Il va cut, et ça, ça me régale, j'aime bien. Je suis obligée de la remettre sur eux parce que j'ai vraiment rien. Hop là, petit pré-jump, petit pré-flip même, me permet. Je ne sais pas quoi faire. Et voilà, je sais. C'est tout droit. Est-ce que je vais cet angle? Non. C'était un peu compliqué. On va pas se mentir. Un peu complicado cet angle. Eh bien, j'ai l'impression que c'est game. Il a pas marqué ça quand même. Ok, let's go. C'est une victoire. Ouais, il est fatigant. Hein. Il est fatigant, c'est probablement la pire personne que j'ai rencontrée jusqu'à présent. Mais on va voir si on a des gens plus sympathiques à la game d'après. Et on est remonté division 4. Et cette fois-ci, les amis, ça sera l'émule en face. Et oui, et oui, et oui, la revanche des champions. Est-ce qu'on va être meilleur que l'émule et son mate avec mon mate qui est un JL? J'avais pas vu, mais le tag cassé, l'ami l'émule. Dommage, c'est dommage d'avoir des comportements comme ça avec un tag d'équipe e-sport dont ce n'est pas les valeurs. Et il commence déjà à mettre son meilleur wow. Petite chose quand même, moi je suis resté calme. Même, il m'a quand même wow genre dans les 30 premières secondes. Alors je veux pas être aigri, mais c'est un peu relou de commencer une game comme ça. Et franchement, je pense que c'est s'assurer de ne pas gagner quoi. Vraiment, si tu te mets à wow tous tes mates au bout de 30 secondes, je pense que tu perds 25% de chance de gagner tes games overall. C'est vraiment... faut prendre soin de ses mates. Hein. Faut pas être toxique. Pire, tu hurles à l'oral, quoi. Tu les insultes dans ta barbe. Mais pas dans le jeu. Et voilà! Avec Balkany, ça se passe parfaitement bien. Ça me permettait le jeu de mots. Aïe! Ok, 2-0 en une minute, c'est plutôt pas mal. Hein. Est-ce qu'on part sur un petit FF330? Moi, ça me plairait, ça. Oh, je suis dégueu. J'ai complètement dévissé ma frappe. Elle est tellement dévissée qu'elle est chiante à prendre pour lui. Ah, je suis déçu. En fait, j'aurais voulu vraiment lui faire la passe. C'était super open. Il a voulu y aller. Dommage. J'ai vu au dernier moment. Hop là! Comme ça, je le tilte encore plus. C'est finalement ça. Être un bon joueur de Rocket League. Oula. Je pourrais pas, mon gars? Excellente save. Un gardien exceptionnel. Remise dans l'axe, pour favor, j'en rêve. Malheureusement, non. Il va aller back. Moi, je vais jouer ce ballon. Oh, lolo, lolo, je l'ai pas vu partir. Ah, oh, dommage, la save. Ok, 2-1. Il n'y aura pas de FF330. Le bon follow kick-off. C'est bien joué. Toujours follow close. 2 buts d'avance. C'est le FF mental. Imule n'en peut plus. Ah, ça se trouve, il est dans une mauvaise session, il est en mode bon. Je suis tilt. Ce sont des choses qui arrivent. Oh, le fake, dommage. Pas de problème, ma gueule. Voilà, mon mate, il est super sympa. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on gagne. Oh non! Riot, le giga cerveau, il se dit, mon mate est archi tilté. Il faut, je le rassure, le tir est incroyable. Franchement, je vais mettre beau tir parce qu'il a vraiment très bien tiré. Là, c'est une bataille. C'est qui arrivera le mieux à babysitter son mate. Moi, je mets des beaux tirs. Lui en face, il met des je sais plus quoi. Ça me met bien. On essaye tous les deux de
mettre toutes nos chances de victoire dans le même sachet, comme disent les Belges. Oh, il me laisse la balle du coup, ça, il me respecte, j'aime bien. Bon, j'ai un peu abusé du bail. C'est pas grave. Donc je me fais pas trop dunk. Le tout droit qui passe toujours, chers amis. Et là, je me casse en speed flip, en légende. Waouh, désolé mon gars. Très jolie voiture, nonobstant. Du US parce qu'il marque en fait, il est juste trop fort, c'est ça son problème. C'est ça son problème. Ce problème. Ah, aïe 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 aïe, la bataille d'ego. Est-ce que c'est sa faute ou est-ce que c'est ma faute? Moi j'aurais tendance à dire les deux. Mimi lui s'est perdu dans son move, donc au dernier moment il se dit bon bah... je vais faire une passe dans l'axe, et puis l'autre, bah, il arrive pas à prendre la décision en fait. Il est ni en défense ni en attaque. Et du coup, ça marche pas quoi. C'est un peu le concept du jeu. Mais c'est dur à jouer. Après, je me rends pas compte à quel point l'autre il avait du boost ou pas. Ouh là 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 là, non! Cette game ne s'arrêtera jamais de marquer en fait. Il a bien joué. C'est excellent. Un petit touche encore. Encore une. Je trompe la défense. De toute façon, moi, j'ai pas de risque à prendre. Hein. Vraiment, si on perd du temps, ça m'arrange. Ouais, c'est quoi ça? Oh, j'ai tenté l'air dribble bump. Mais la balle était un peu trop proche. Mais ça, c'est tranquille. Pas à l'heure mon mate, ok il est à l'heure, c'est parfait. Bah c'est open. Oh, dommage, j'y ai pas allé. Allez, fast, fast, fast. Ouais, non. C'est pas grave, en vrai ça aurait été un peu grave si on perdait. Et là pour le coup c'est pas grave, je me turn pour qu'il force à rendre le ballon. Oh, je suis deg. Ah, je commence un peu à perdre mes moyens parce qu'en fait j'arrête de jouer. J'essaye de jouer super safe et du coup j'arrête de jouer je pense. C'est ça mon problème. Et là j'ai essayé de pré-jump, il m'a... ma contrée. Allez, on perd pas. 36 secondes. Ok. C'est pas notre avantage tout ça. Heureusement qu'il est un peu troll. Je pense que pour le mate c'est open là. Hein. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On reste frais. Toutes circonstances. Heureusement que le tout contrôle est pas bon parce que je pense que s'il partait vers l'avant c'était chaud. Oui, le mate excellent. Moi je bump derrière, le contrôle de la balle. Et c'est une fin de game les amis. J'espère en tout cas. Ok non. Attention parce que lui il est pas mauvais. Excellent, let's go. Deuxième win, on est remonté à 49. Et on commence déjà à jouer avec des gens qui sont GC, donc on est vraiment pas loin. On va voir demain si on arrive à atteindre le GC.